au sein des études informatiques, nous occupons en fait des applications, des logiciels utilisés par l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et donc l'objectif, c'est de leur assurer une bonne qualité de service, que les applications soient disponibles, qu'ils n'aient pas de problème au quotidien, et également les faire évoluer pour répondre à leurs besoins et aux problématiques qu'ils rencontrent actuellement. J'ai fait une école d'ingénieur à Brest, Télécom Bretagne, avec une dernière année à Télécom Paris. Donc pour des raisons personnelles, j'ai cherché tout de suite du travail dans la région brestoise. Je suis rentré dans une société de services de prestations informatiques. Par la suite, j'ai quitté ce groupe, j'ai eu une brève expérience de création d'entreprise, puis j'ai postulé au sein du groupe en fin 2010 et suis rentré dans les 2 semaines qui suivaient. Aujourd'hui, je suis dans un contexte, je pense en termes d'entreprise, d'esprit humain qui vraiment me correspond complètement. J'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneuriat qui est possible au sein du groupe et que j'ai vécu dans mes expériences précédentes, et donc quelque chose de très important pour moi. Aujourd'hui, au sein du groupe, on a une autonomie, on n'a pas une indépendance, c'est différent, c'est-à-dire qu'on doit forcément expliquer ce que l'on fait au quotidien, mais par contre, on a la liberté d'entreprendre, de proposer. C'est une dynamique qui n'existe pas forcément dans tous les groupes de taille suffisamment conséquente. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un cadre complètement serré. On peut vraiment proposer. Forcément, on s'adapte à nos besoins de clients. Chaque service a des besoins différents, a des fonctionnements différents. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est indispensable. J'ai eu la chance d'avoir la première année au sein du groupe un cycle de formation d'un an, avec des formations très régulières sur l'environnement Arkéa, sur les contraintes Arkéa, les spécificités. Donc j'ai appris énormément de choses, ça m'a permis de me mettre à niveau assez rapidement. Et par la suite, dans mon évolution au sein du groupe, je suis donc passé manager, j'ai pris des fonctions de management. Et donc il y a un cycle de formation de manager que j'ai suivi cette année, qui dure quelques mois et qui permet justement aussi de rencontrer d'autres managers qui débutent dans la fonction, d'échanger sur les problématiques qui sont souvent communes et permettre justement d'avoir une très bonne expérience et un très bon retour. Et être prêt pour les années à venir.